ça y est, enfin, après une année quasiment blanche, je reviens avec le groupe, donc ça fait plaisir. Et je pense que je suis toujours le même, mais peut-être un peu plus fort mentalement. Je suis serein, je sais ce que j'ai à faire et j'espère pouvoir le montrer ce week-end. On doit prendre chaque match. Chaque A, c'est un challenge. C'est primordial de rester invaincu à domicile. Ça, c'est clair et net. Après, bien sûr, aller chercher des points à l'extérieur. Maintenant, il faut vraiment c'est vraiment bien concentré sur ce match de Grenoble, parce qu'il faut vraiment prendre cette équipe au sérieux, elle joue très très bien. C'est une équipe voilà, qui vient, elles ont perdu à domicile. Donc du coup, ils vont venir nous chercher des points. Ils ont la pression aussi des autres équipes qui reviennent derrière et ils veulent se qualifier. Donc voilà, ça va être une équipe qui joue bien au rugby et qui va nous poser des problèmes. Surtout, oui, ils gardent le ballon, mais ils ont une très bonne conquête, mais les touches. Ils ont un très bon buteur, Gaëtan Germain, qui met, je crois la semaine dernière, il met les 21 points de son équipe. Donc voilà, c'est une équipe assez complète. Même si c'est un promu, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, c'était un top 14 et ils se sont vite réadaptés au niveau. Et je veux dire, voilà, ils sont très bons sur la conservation du ballon. Ils ont des joueurs puissants, et des joueurs qui sont techniquement très bons. Un bon buteur, une bonne mêlée, une bonne touche, c'est vraiment une équipe complète qu'on prend très très au sérieux, sachant que voilà, nous. On n'a pas fait un très bon match à Clermont-Ferrand, on n'avait pas fait un très bon match contre Agen. Contre Agen, on était au tableau et ils sont en bas de tableau et on a failli passer à côté. Donc l'objectif, c'est de gagner ce match. Alors, on s'est fait un peu tirer les oreilles cette semaine. Ces équipes qui viennent sans pression et qui viennent pour faire un coup. S'ils ne le font pas, ben, ils ont à domicile et s'ils le font, ben, c'est tout bonus pour eux. Et puis aussi, voilà, on en a parlé nous, durant la semaine, là, essayer de faire cet effort sur cette discipline, de ne pas prendre un carton et de jouer à 15 tout le match. Ouais. Mais maintenant, c'est à nous aussi de les contrer, de rester de ce qu'on fait à domicile depuis le début d'année et de gagner ce match. Voilà, j'espère que samedi, on va répondre au présent et qu'on sera performant là-dessus.